Au dîner, ça sera shakshuka. On va commencer par nos découpes. Tout d'abord un oignon, quelques gousses d'ail en pensant à enlever les germes et un ou deux poivrons rouges. Dans une poêle, on va faire revenir notre oignon et les poivrons avec de l'huile d'olive. Et une fois coloré, on peut ajouter l'ail et l'assaisonnement. Une cuillère à café de cumin, une demi de chili ou dans l'idéal un piment frais, une cuillère de paprika et pour finir sel poivre. On mélange le tout et une fois l'ail cuit, on peut ajouter une boîte de tomates concassées. On laisse compoter tranquillement de façon à ce que tous les ingrédients fassent connaissance et une fois fait, on forme des espaces pour y déposer nos œufs. Personnellement, je préfère les casser dans un récipient plutôt que directement dans le plat car on n'est pas à l'abri qu'un œuf ne soit pas bon. Une fois déposé, on laisse cuire, dans l'idéal à couvert, jusqu'à ce que la cuisson des œufs vous convienne. Hors du feu, on peut ajouter de la feta, qui va apporter de la fraîcheur et adoucir le côté épicé, ainsi que du persil plat ou de la coriandre si vous aimez. Si la recette vous a plu ou si vous la refaites, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à vous abonner pour me soutenir. Régalez-vous bien et bon appétit !